Nous sommes en septembre 1938. Hitler vient de s'engager dans une voie encore plus dangereuse que toutes celles qu'il avait osé prendre jusque-là. Il a proclamé territoire allemand la région des Sudètes de Tchécoslovaquie et la puissante armée tchécoslovaque s'est mobilisée pour la guerre. La Tchécoslovaquie étant alliée à la France et à l'Angleterre, la guerre signifierait une conflagration qui engouffrerait l'ensemble de l'Europe. En 1935, il s'était lancé dans une énorme campagne de réarmement. L'année suivante, malgré les conseils de ses généraux, il avait défié la France et l'Angleterre et réoccupé la Rhénanie démilitarisée. Comme Hitler l'avait prédit, les Alliés ne firent rien. En mars 1938, il avait annexé de force l'Autriche à l'Allemagne. Une fois de plus, la France et l'Angleterre n'ont rien fait. Hitler est désormais convaincu que pour vaincre en Tchécoslovaquie, tout ce qu'il a à faire est de mobiliser ses armées et toute résistance disparaîtra. Dans l'Europe tout entière, les exigences d'Hitler sèment la consternation. Les horreurs de la Grande Guerre, toujours vives dans les mémoires, rares sont ceux qui osent envisager la terreur qu'engendrerait un autre conflit. Dans les rues des villes anglaises, des tranchées apparaissent dans presque tous les espaces ouverts et les édifices publics disparaissent derrière de grands murs de sacs de sable. C'est la semaine de la crise de Munich. Dans une tentative désespérée pour éviter la guerre, le Premier ministre britannique Neville Chamberlain se rend en Allemagne. À chaque fois, Hitler fait monter la pression. Il semble que la guerre est inévitable. C'est le dictateur italien Mussolini qui suggère une dernière tentative pour préserver la paix avec la conférence des quatre grandes puissances européennes. Le 30 septembre 1938, à Munich, le sort de la Tchécoslovaquie est réglé. The minister has come back from his third and greatest journey, and he said that the settlement of the Czechoslovakian problem, which has now been achieved, is, in my view, only the prelude to a larger settlement in which all Europe may find peace. This morning, I had another talk with the German Chancellor, Herr Hitler. And here is the paper which bears his name upon it as well as mine. Some of you perhaps have already heard what it contains, but I would just like to read it to you. We, the German Führer and Chancellor, and the British Prime Minister have had a further meeting today and are agreed in recognizing that the question of Anglo-German relations is of the first importance for the two countries and for Europe. En Angleterre, la réaction à la déclaration de Chamberlain, la paix en notre temps, entraîne une jubilation sans réserve. L'admiration devant la réussite de Chamberlain est si grande qu'il devient le premier des chefs de gouvernement britanniques à être présenté au peuple du balcon du palais de Buckingham. Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. Ici les stations de Radio Paris sur les longueurs d'onde suivantes. Je reviens d'Allemagne. Après une négociation certainement difficile, mais avec la conviction profonde que l'accord que nous avons conclu était indispensable au maintien de la paix de l'Europe. J'ai la certitude qu'elle est aujourd'hui sauvée grâce au désir de concession mutuelle et à l'esprit de collaboration qui a cessé d'inspirer à Munich l'action des chefs de gouvernement des quatre grandes puissances occidentales. L'euphorie de Munich dure à peine 6 mois. En mars 1939, l'Allemagne annexe ce qu'il reste de la Tchécoslovaquie.
Cette violation flagrante des accords de Munich choque même ceux qui soutenaient la politique d'apaisement de Chamberlain. Aux yeux du public britannique, Hitler est maintenant un agresseur que rien ne pourra arrêter. Pratiquement tout le monde s'accorde à dire que la fois prochaine, guerre ou pas guerre, on lui résistera. Au premier rang de l'opposition à l'apaisement se tient l'homme politique anglais Winston Churchill. Les appels de Churchill à résister contre Hitler, ainsi que l'introduction de la conscription, touchent la corde sensible du peuple anglais. La faiblesse militaire de ce pays encourage les ennemis potentiels. Tout le monde sait que l'opinion publique ne fait que grandir en faveur du service national obligatoire sous toutes ses formes, particulièrement sous la plus haute de ses formes. Le gouvernement de Chamberlain est obligé de répondre. Dans les semaines qui suivent l'invasion de la Tchécoslovaquie, l'Angleterre introduit la conscription pour tous les hommes de 18 à 20 ans. Peu d'entre eux se rendent compte que dans un peu plus de 5 mois, leur pays sera en guerre avec l'Allemagne. Ignorant le changement d'humeur considérable qui vient de se produire en Angleterre, Hitler passe à la phase suivante de son programme de conquête. Cette fois, il réclame le port de Memel qui avait fait partie par le passé de l'Empire germanique. Impuissante face à la puissance allemande, la Lituanie cède Memel. Encouragé, Hitler regarde maintenant en direction de la Pologne. Le port balte de Danzig est relié à la Pologne depuis 1918 par un corridor considéré comme territoire polonais. Le couloir polonais sépare la Prusse orientale du reste de l'Allemagne. Hitler, avec le soutien d'une puissante faction nazie au sein de la ville, exige de prendre possession de Danzig et de fermer le couloir. Lorsque la Pologne fait preuve d'obstination, Hitler commence à faire des menaces. Cette fois, l'effet est inverse à celui qu'il avait prévu. Loin d'abandonner la Pologne, Neville Chamberlain, piqué au vif par l'humiliation après Munich, rédige de sa main une garantie britannique de l'indépendance de la Pologne. C'est une garantie qui a de faibles significations sur le plan militaire, mais Hitler est furieux et ordonne à ses généraux de se préparer à l'invasion. Avant de lâcher ses armées, Hitler renforce sa position internationale. Le pacte d'Assis entre l'Allemagne et l'Italie est signé le 22 mai. Le 23 août, un pacte de non-agression est conclu avec l'Union soviétique de Staline. Le pacte est destiné à s'assurer que l'URSS ne s'opposera pas activement à l'invasion. Nous avons toujours désiré, et nous désirons toujours, qu'une collaboration sincère et une entente loyale puissent être établies entre les peuples. Mais nous sommes résolus à ne pas nous soumettre au diktat de la violence. Nous avons pris des armes contre l'agression, nous ne les reposerons que lorsque nous aurons des garanties certaines de sécurité, d'une sécurité qui ne soit pas mise en question tous les 6 mois. Ce que pensent nos soldats, le peuple de France tout entier le pense, lui aussi. Et le gouvernement, dans son action quotidienne, dans son inébranlable volonté, se montrera digne de la foi qui anime tous les fils de notre patrie. Speaking to you from the cabinet room at 10 Downing Street. This morning, the British ambassador in Berlin handed the German government a final note stating that unless we heard from them by 11 o'clock, that they were prepared at once to withdraw their troops from Poland, a state of war would exist between us. I have to tell you now that no such undertaking has been received, and that consequently this country is at war with Germany.